Good morning, Aleiden. Nous sommes le mercredi 27 d'Arbet 5776. Et l'étude sera le Nishmat Rachel Batsara, Rivka Batsara, et l'enfant Tzvidov Ben Chaya et Yosef Shmuel Ben Pnina. Nous étudions Baba Kama Perekret Mishnah Dalet. Cheresh, Shote Vekatan, Pgi Atan, Ra'a. Achovel Baen Chayav, Vehem Shechavlu Ba'acherim Pturim. Haevet Vaisha, Pgi Atan, Ra'a. Achovel Baen Chayav, Vehem Shechavlu Ba'acherim Pturim. אבל משלמין לאחר זמן, נתגרשה אישה, נשתחרר העבד, חייבין לשלם. Notre Mishnah va nous parler des personnes condamnables ou envers qui l'on se fait condamner lorsqu'on leur cause un dommage, en nous enseignant que deux groupes de personnes, deux sortes de personnes, envers qui il vaut mieux ne pas avoir affaire, parce que lorsque ces personnes nous causeront un dommage, ils seront dispensés de nous payer. Tandis que lorsque nous lui causerons un dommage, on devra le dédommager. Et donc la Mishnah maintenant va séparer ça en deux groupes de personnes, parce que les motivations de chacun seront différentes. Cheresh, Shote, Vekatan. Cheresh, on a déjà appris ça. Cheresh, c'est le sourd de naissance qui n'a pas eu de développement intellectuel. Shote, un fou. Vekatan, et un enfant. Pgiatan, Ra'a. Pega, c'est le contact. Il vaut mieux pas avoir affaire à eux. Leur contact est mauvais, si on traduit littéralement. Achovel Bahen Chayav. Celui qui leur cause un dommage, il est Chayav, il devra les dédommager. Par exemple, j'ai mis un coup à un fou, je lui ai cassé le bras, peu importe, je dois lui déménager, le dédommager. Par contre, Vehem Shechavlu Ba'acherin Pturin. Lorsque eux causent un dommage, d'accord ? Le fou ne fait pas attention, l'enfant ne fait pas attention, cause un dommage. Il envoie son ballon sur la vitre et il la casse. Selon le Din Torah, Pturin, ils ne nous doivent rien. Ce sont des gens qui n'ont pas de da'at, ils n'ont pas de conscience, de responsabilité, et de ce fait, ils sont dispensés, d'accord ? Même les parents, selon le Din Torah, même les parents sont dispensés de payer. Ensuite, deuxième groupe de la Mishnah. On le finit, après on va faire un petit peu d'ordre dans les données. Deux autres sortes de personnes encore avec qui le contact est mauvais, qui vaut mieux pas avoir affaire à eux. Ha'eved, un esclave. Ve'ha'isha, ça peut être un esclave Knaani, un esclave qui était initialement en Goy. Et Aisha, ou n'importe quelle femme mariée. Pgi'atan ra'a, sans offenser personne. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans quelques secondes. Pgi'atan ra'a, leur contact est mauvais, vaut mieux pas avoir affaire à eux. Parce que « Achovel Ba'en Chayav », celui qui leur cause un dommage, il devra les dédommager. Quelqu'un qui a mis un coup à une femme, il devra la dédommager. Par contre, « Vehem Shechavlu Ba'acherin Pturim », la Mishnah nous enseigne que si eux, l'esclave ou la femme, causent un dommage à un homme, ils seront dispensés de le dédommager. Vous allez me dire pourquoi ? Vous allez tout de suite comprendre avec la suite de la Mishnah. « Aval Meshalmin Acharzman », dans les deux derniers cas là, il y a quand même une différence avec le cas de la Reisha, du Chereshote Vekatan, du sourd et du fou et de l'enfant. Parce que ceux-là, hein, ces deux derniers, l'esclave et la femme, Meshalmin Lacharzman, ils devront payer plus tard. Quand ? Nidgarsha Isha, quand l'homme divorcera sa femme, Nishtachrer Aeved, lorsque l'esclave sera affranchi, Chayavid et Shalem, ils devront payer ce qu'ils ont fait à l'époque. Même 20 ans après, même 30 ans après. On explique ça, c'est très simple. Il y a une différence essentielle entre les trois premiers cas de la Mishnah où on enseigne des personnes qui sont pturim, qui sont dispensées de nous dédommager, et les deux derniers cas de l'esclave et de la femme. La différence, elle est simple. Dans les trois premiers cas, du Cheresh, Shoté, Vekatan, le sourd, l'enfant, le muet, le sourd, l'enfant et le fou, dans ces trois cas-là, ces personnes-là ne sont pas responsables. Puisqu'ils ne sont pas responsables, ils sont intrinsèquement dispensés. Même lorsqu'ils grandiront, ou ils deviendront peut-être intelligents, ou ils arrêteront d'être sourds, malgré tout, ils seront dispensés. Parce qu'à l'époque, ils étaient pturim, ils étaient dispensés à l'époque où ils ont causé le dommage. À la différence de Haeved et Haisha, ce sont des personnes qui sont théoriquement responsables. Ils ont un sechel. Ils ont un sechel, ils sont inclus dans toute la halakhot de la Torah, en tout cas dans tout le Ben Adam Lachavero. Ils doivent, en théorie, nous dédommager. Le problème, il est qu'ils n'ont pas du tout d'argent, ces gens-là. Pourquoi ? Alors, l'esclave, c'est évident. Mashekana Eved Kanarabo, tout ce qu'il a, l'esclave, ça appartient à son maître. Son maître ne peut pas, on ne peut pas imposer au maître de surveiller son esclave.
autant qu'on lui demande de surveiller son taureau, parce que l'esclave, il est bien plus futé qu'un taureau. Il va commencer à entrer en dispute, comme ça la Gemara l'explique. Il va commencer à entrer en dispute avec son propriétaire, il va partir se venger, il va mettre le feu à la maison du voisin, comme ça son maître va devoir casquer. C'est pas possible de faire quelque chose pareil. Donc il est lui-même, c'est lui le responsable de ses propres actes. Il n'a pas d'argent, certes. Alors, on lui dit, on va inscrire que tu as une dette, et peut-être qu'un jour tu seras libéré, et un jour tu auras enfin des biens, et tu devras dédommager. Et pareil avec la femme. Vous allez me dire, pourquoi la femme n'a pas de biens? La fille de Rothschild, c'est ma femme. Elle a de l'argent. Quand on s'est marié, elle m'a apporté 5 immeubles. En fait, elle a apporté... Ouais, d'accord. Pourquoi une femme n'a pas d'argent? La raison, elle est très simple. Ça touche au Ilchot Ktuba. C'est très vaste comme sujet. On distingue plusieurs sortes de biens qui appartiennent à la femme. Tout rentre dans les lois de la Ktuba. Mais de manière générale, c'est possible en théorie d'avoir une femme, de faire une séparation de biens. Mais dans la manière saine des choses, tous les biens de la femme entrent en gérant chez le mari. Le mari en a l'usufruit, en bon français. C'est-à-dire, le capital reste à la femme, mais le mari a un droit d'exploitation. Et sur ça, il y a quelques petites différences. Ça dépend des sortes qu'elle a, des objets qu'elle a entrés. Mais de manière générale, on va prendre par exemple une femme qui possédait un appartement, et elle se marie. Alors, depuis le moment quand elle se marie, elle donne l'usufruit à son mari. C'est-à-dire, le mari a le droit d'exploiter, il a le droit de louer l'appartement, d'accord ? Il a plein de droits, et c'est lui qui récupère l'argent et qui décide de quoi en faire, s'il habite dedans, s'il en fait... C'est lui qui possède l'usufruit. Mais le capital, la propriété, elle reste malgré tout à sa femme, il n'a pas le droit de le vendre, par exemple. L'appartement, il ne peut pas le vendre. Il appartient à la femme, donc il ne doit le faire qu'avec l'accord. D'accord. Donc la femme, en termes de Gemara, ça s'appelle que la femme, elle a le gouf, elle garde le corps, le gouf, et le mari, il a les pérotes, les fruits. D'accord. Le gouf appartient à la femme, et les pérotes appartiennent au mari. Et donc ça se passe comme ça. De ce fait, la femme ne peut pas décider de vendre un bien, puisque le bien, il est pour le moment engagé... Pour le mari, c'est le mari qui a le droit dessus. Donc la femme ne peut pas se séparer de cette propriété. D'accord ? Il est complètement engagé pour le profit du mari, pour qu'il en mange les pérotes. D'accord ? Ça, c'est la notion. De ce fait, une femme n'a concrètement pas la possibilité de dédommager en donnant le keren. En donnant ce capital à quelqu'un d'autre, parce que la personne va le recevoir, mais ne va rien en faire, parce que pour le moment, tant que le mari est vivant, et que la femme aussi elle est vivante, alors c'est le mari qui les consomme. Alors vous allez me dire, malgré tout, il y a quand même quelques petites lunettes. D'abord, on a fini la Mishnah, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. De ce fait, lorsque la femme sera divorcée, elle devra ensuite rembourser, ou bien quand elle touchera sa ktouba du mari. Maintenant, sur ça, on va quand même introduire deux petites alachot de ilchot ktouba, des lois de ktouba. La première d'abord, elle est que lorsque la femme décède, c'est le mari qui hérite. Le mari hérite sa femme. Tous ces biens-là qui appartiennent à la femme, alors lorsque la femme décède, le mari l'hérite. Bien sûr, lorsque la femme décède avant le mari, c'était évident. Parce que dans le cas contraire, alors quand le mari décède, la femme, elle redevient possesseur de son bien. D'accord ? Alors, on est en train de dire, quand la femme décédera, alors, si elle décède avant son mari, c'est le mari qui l'héritera. De ce fait, le Chachami, maintenant, il y a une takana spéciale que Chachami m'ont fait que lorsque la femme vend le bien avec intention que le... Donc, je m'explique, excusez-moi, je recommence. Lorsque le lien entre le mari et la femme se rompt, c'est-à-dire l'un des deux divorce ou bien l'un des deux décède, en théorie, la femme devrait redevenir possesseuse de son bien. Cependant, le mari hérite sa femme. Alors là, il y a un cas un petit peu particulier. Qu'est-ce qui se passe si la femme, elle a donné le bien à une tierce personne, d'accord, en précisant que le jour où elle meurt, alors cette tierce personne deviendra elle, ce sera elle finalement qui sera possesseuse de... Et ce sera cette personne-là qui deviendra possesseur de son bien. En théorie, c'est quelque chose qui devrait marcher, mais concrètement, Rami m'en fait une misère, que ce n'est plus possible. C'est-à-dire, en deux mots, lorsque la femme, excusez-moi, j'ai peut-être allongé un peu lourdement, c'était dommage, j'explique ça très simplement.
la femme n'a concrètement aucun moyen de céder la propriété de son bien à une tierce personne. Parce que lorsque elle décédera avant son mari, alors son mari sera lui le premier à acquérir ce bien, même si elle a donné à quelqu'un d'autre. De ce fait, la femme ne peut pas donc dédommager la personne qui a souffert, d'accord, la tierce personne, en lui donnant ce bien. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui vaut le coup de le savoir, c'est le zhout à la tovatana de la ktuva. Je m'explique. Il y a quand même un cas de figure où la femme va éventuellement récupérer ce bien. Ce sera le cas où son mari décédera avant elle, qu'on a dit qu'elle redevient possesseuse. Or, supposons que cette maison coûte 1 million de shekels. En théorie, personnellement, moi je serais intéressé de mettre 200 000 shekels sur cette affaire. Dans le cas où un jour le mari la divorce, ou bien un jour, éventuellement si le mari meurt avant elle, alors elle récupérera elle ce bien, et donc puisqu'elle m'a vendu elle ce droit là, enfin c'est une sorte de billet de tombola, je serais prêt moi personnellement à mettre 200 000 shekels sur un truc pareil. D'ici 10, 15, 20, 30 ans, je vais finalement recevoir un appartement qui coûte 1 million et j'aurais mis dessus que 200 000, c'est un bon investissement. Mais il y a malgré tout un risque, si finalement si elle meurt avant son mari, il s'avérera que j'aurais perdu tout mon argent, tout mon investissement. Alors peut-être pas 200 000, sur ça je mettrais peut-être 100 000. Ça vaut le coup, d'accord? C'est un investissement. De ce fait, c'est une sorte de billet de loterie. On va prendre contact avec des actuaires. Ils vont concrètement voir l'état de santé de chacun, voir l'âge de chacun, la statistique, selon leur état, selon comment ils s'entendent, combien d'assiettes ils se jettent l'un sur l'autre par jour, pour essayer d'évaluer concrètement, pour toucher 1 million dans éventuellement 30 ans, combien ça vaut le coup de le mettre aujourd'hui. Et selon ça, on va évaluer le prix et donc je serai prêt à payer ce prix. De ce fait, la femme, d'accord, finalement, on pourrait illustrer ça avec un billet de loterie, d'accord. Partant de ce principe, la femme peut concrètement dédommager la personne qui souffre, lorsqu'elle cause un dommage à une tierce personne. On va prendre le cas où elle a cassé, elle a mis le feu à la maison de Réhouven. Donc elle doit lui payer maintenant 100 000 shekels. On va lui dire, tu sais quoi, regarde, l'appartement que tu as, il coûte 1 million. En théorie, vendre cet appartement, selon le procédé qu'on a dit, d'accord, c'est pas exactement du viager, mais c'est un peu la même idée, c'est en évaluant l'éventualité que d'ici 30 ans, cette personne-là, endommagée, donc ce Réhouven, récupérera un appartement qui coûte 1 million. Pour le moment, ça coûte 100 000 shekels de vendre cet appartement au cas où un jour il entrera en propriété. Alors concrètement, elle a la halakha fixe que la femme devra dédommager en lui donnant ce bien. Et la Mishnah a parlé d'un cas particulier où il n'y avait pas d'option pareille, où il y avait juste un cas classique où la femme n'apporte pas toujours d'appartement. D'accord ? Enfin, si on veut faire un petit point, parce que je pense que je n'ai pas été assez structuré dans ma manière de présenter, je m'en excuse vraiment, mais concrètement, je reprends encore une fois. Lorsqu'une femme cause un dommage, une femme, même si elle a en théorie des biens, c'est son mari pour le moment qui a le droit d'exploitation, donc elle ne peut pas dédommager, elle ne peut pas débourser l'argent et le payer. Il y a dans certains cas de figure, malgré tout, on pourrait faire une évaluation, comme ce qu'on a expliqué, d'évaluer combien ça coûterait, malgré tout, d'acheter ce billet de loterie, au cas où un jour la femme récupérerait son bien, et donc ça a un certain prix, c'est une valeur commerciale, et elle pourrait utiliser cet argent pour rembourser la personne à qui elle a causé le dommage. Et concrètement, la Mishnah ne parle pas d'un cas exactement dans ce cas-là, dans un cas pareil. Voilà, on reprend maintenant, on fait avec le Barthénora. Evet veisha shechavlu ba'acherim turim. On s'importe donc sur la deuxième partie de la Mishnah. Un esclave ou une femme qui cause un dommage à une tierce personne, ils sont dispensés de payer. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont foncièrement dispensés, mais parce que chez Enlaem Maleshalem, ils n'ont pas de quoi payer. Ils n'ont pas de droit. D'accord ? On apprendra quand on arrivera, même dans le prochain Pérec, dans un Gozel, je crois que c'est le Gozel Batra, le dernier Pérec, le dixième Pérec, on apprendra plein de halakhot qui découleront de ça, qu'une femme n'a concrètement pas de bien. Est-ce qu'on a le droit de recevoir de l'argent de la Tzedaka ? Même nous, aux 5 minutes éternelles, lorsqu'une femme nous appelle et nous dit « Ouais, je veux donner... » 1 million d'euros, ça arrive tous les jours, bien sûr. On lui dit, mais non, on voudrait parler avec monsieur. Est-ce que monsieur est d'accord? Parce qu'elle n'a pas le droit de Shlita. Elle peut donner des petites sommes, on apprendra tout ça, mais sans elle peut donner des petites sommes, mais en tout cas, sûrement pas des grosses sommes. Voilà pour la Shalem, elle n'a pas concrètement de quoi payer.
Nidgarsha Isha Nishtacher Aeved, Vekanu Nechassim, lorsque la femme divorce ou lorsque l'esclave se fait affranchir, Vekanu Nechassim, et ensuite ils acquièrent des biens, Chayavim Leshalem, alors ils devront payer, dédommager. Share Mitechila En Chayavim, alors le Vatoran nous précise bien, parce que ces personnes sont foncièrement coupables, ils doivent dédommager, ils ont le devoir de dédommager. Et la Sheelaim Leshalem, le problème il est qu'ils n'ont pas d'argent. Attention, précision importante quand même, au cas où vous ne le savez pas, on ne demande pas à quelqu'un de partir travailler pour rembourser. C'est une notion un petit peu spéciale, il y a un seul cas, c'est le cas du vol en cachette, où dans certains cas de figure, on va prendre la personne et on va la vendre directement en esclave. Mais de manière générale, si je dois 10 000 shekels à une personne, et que je veux rester bronzé toute la journée sans partir travailler, il n'a aucun moyen, d'un point de vue halakhique, de me prendre et de partir me faire travailler. Si j'ai des biens, il peut prendre mes biens, mais moi, il ne peut pas me prendre et en faire quelque chose de moi. D'accord ? Notion générale. Donc, je reviens maintenant. Charé, donc, il faudra forcément attendre qu'il refasse fortune et qu'il reçoive des biens lorsqu'ils seront, une fois qu'ils seront affranchis ou divorcés. Chez Nirse Milog Shalaisha, Meshubadim la Baal, les Perot, Veli Roucha. Alors, le Bartan Oral, ici, nous rajoute une petite phrase où il fait rentrer la notion qu'on a dit avec quelques petits problèmes. On ne va pas soulever le problème, on va juste expliquer ce qu'il dit. Chez Nirse Milog. Nirse Milog, c'est tout le groupe de biens que la femme fait entrer lorsqu'elle se marie, qu'elle met à disposition de son mari pour qu'il en ait l'usufruit. Alors, ce sont les Nirse Milog, chez l'Aïcha. Ils sont tous Meshubadim la Baal. Ils sont tous garants pour le mari, la Perot Velirusha, pour qu'il en consomme les fruits. Et pour qu'il l'hérite un jour, donc elle n'a concrètement pas de possibilité d'utiliser ce bien-là pour rembourser la personne à qui elle a causé le dommage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov Selah.